Nous saluons tout le monde qui branche dans la précieuse nom de Jésus-Christ sauveur nous. C'est un plaisir de ce que nous trouvons nous là, mais juste avant que nous commencions, nous avons mis nous à genoux pour un coup de prière. Éternel roi des rois, créateur ciel et terre, gloire, honneur, louange, exaltation à vous-même qui chita sous toi nous. Nous vous remercions infiniment, papa, de ce que vous permettez que nous soyons capables là, à souhait, encore l'autre fois nous venir. Pour que nous soyons capables de faire lecture ça. Nous demandons que vous soyez capables d'ouvrir l'esprit, nous aider nous à comprendre tout ça que nous parlons et aider nous songer au tout. Tout ça pour nous mettre en pratique, aider nous mettre en pratique. Toute promesse, aider nous pour que nous soyons capables de songer promesse, spécialement dans le moment que ouais, nous avons plus besoin. Nous demandons d'autant plus, papa, prends contrôle du programme, prends contrôle nous, pardonnez-nous, purifiez-nous. Et aidez-nous pour que nous soyons capables de marcher plus proche ensemble avec vous. Nous allons prier parce que nous sommes nous dit, mais nous prions en pressionnant Jésus qui sauve nous. À lui-même, gloire, honneur, louange, exaltation pour toute l'éternité. Amen. Aujourd'hui, alors nous disons bon, bienvenue à tout le monde qui est là. Et à tout le monde qui vient pour écouter le programme ça sur YouTube, bienvenue. Nous comptons présence parmi nous. Nous pour aller continuer ensemble avec le programme côté que nous pour aller aujourd'hui commencer ensemble avec Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Et m'appelle elle dit Coré fils de Jitséa fils de Kéa fils de Lévi se révolta avec Dathan et Abiram fils d'Éliab et On fils de Pélet tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi nous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré à toute sa troupe en disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. » Moïse dit à Coré, écoutez donc, enfant de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui? Afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir, il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? Amen. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert? Sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés
Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute la troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron. Vous prendrez aussi chacun votre brasier. Amen. Amen. Il prit chacun leur brasier et mit du feu et posèrent du parfum et ils se firent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. » Ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme tombe à péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. » L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée et d'Athan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers d'Athan et Abiram et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tirent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens moururent, si ces gens moururent comme tous les hommes meurent, s'il subsiste le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose, une nuit, sur la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendirent. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée, de tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre se recouvrit. La terre se recouvrit et il disparut au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit et auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éliasa,
fils du sacrificateur Aaron de retirer de l'incendie les brasiers et d'en reprendre au loin le feu, car ils sont sanctifiés, avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse dans l'âme étendue dont on couvra l'autel. Puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présentés les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir un parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa toute selon ce que l'Éternel avait déclaré à Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous au milieu de cette assemblée. Je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, prends les brasiers, mets du feu de dessus de l'autel, pose-y du parfum, pars promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et qu'il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie ou ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Wow. Donc, qui fait que chapitre ça démontre nous un pile bagage et encore, ouais, les bons Dieu choisissent pour le faire travail. Non, pas de quitter jalousie, non, à venir prendre nous pour dire est-ce que c'est vous-même seul que bon Dieu est capable de choisir, est-ce que c'est vous-même seul qui petit bon Dieu. Donc, pour quitter jalousie, nous choisir, prendre contrôle nous et puis pour nous faire un bagage que soit bon Dieu pas d'accord et non seulement que bon Dieu pas d'accord, mais elle fait un bagage que qui peut le faire monde pas content, qui va le faire monde pas content pour la plaindre en pire bon Dieu. Parce que ouais que les que fils et puis c'est pas n'importe mon nom qui t'a fait en bah ça c'est mon qui était en tête oui encore il dit Corée c'était petite Jitsea qui était petite en Kea qui était petite Lévi et Lévi c'est mon que bon Dieu t'a choisi pour capable en travail pour lui dans sanctuaire. Donc il veut dire Corée pas n'importe monde. Il pas n'importe monde. Quand il y a là l'autre monde qui était avec eux qui était révolté tout, c'est Datan et Abiram. Datan et Abiram, c'est petite c'est petite On qui petite Pélé. Tous les trois c'est petite Ruben. Tous les trois petites Ruben. So te gagné un petit Lévi, petit Ruben qui mettait ensemble pour que yo capable en soulever contre Moïse par rapport que à cause que bon Dieu a utilisé Moïse, a utilisé Aaron. Kounya
te gen 250 om des enfants d'Israël. Et c'est pas moun, c'est des principaux de l'assemblée. Et moun ça c'était des gens de renom. Donc moun qui tout moun te connaît, moun qui gen influence, c'est moun sa yo qui te levé contre Moïse. Imaginez. Et Moïse qui s'est allé, l'allé côté bon Dieu. Moïse mandé bon Dieu pour bon Dieu pas recevoir offrande yo. Moïse mandé l'an moyo. Si que bon Dieu quitte au mourir même Jean l'autre monde, il a dit c'est la mort naturelle. Et pour bon Dieu choisir l'an mort qui pas montrer l'an mort naturelle. Comment il va mourir? En ben terre va l'ouvrir. Il va rentrer là-dedans. Kounya la, en pile moun vin peur nan jouan, le lendemain yo vini, oh, c'est ou même qui fait que tout moun sa yo mouri, c'est ou même qui fait ceci, c'est ou même qui fait cela, et tout moun sa yo tout, yo pral mouri, et combien qui te mouri, m'kwè c'est 14,000, m'bliye combien mille, oui, 14,000 et kek qui te mouri. Donc, ou est que li très important nous même pour nous respecter en loin de l'Éternel pour nous respecter yo, pour nous respecter monde que bon Dieu choisi pour faire travail pour lui, pour nous pas faire par contre parce que les monde ça connait li vinn dépatienter là sur bon Dieu les monde ça vinn dépatienter li vinn al côté bon Dieu donc bon Dieu pas prêté garder ça comme ça est-ce que vous comprenez bon Dieu pas prêté garder ça comme ça bon Dieu pas réagir. Enfin, yo te kapab pèt du vi yo si que jalousi yo pa te pran le dessu. La chair, si la chair pa te pran le dessu. Donc, ok, si pa genyen lot bagay, donc nou kapab ale nan Nombre chapitre 17. Nombre chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Et prend deux, une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince, une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel. Amen. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel. Oh, ça coûte un pile. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici, nous expirons, nous périrons, nous périssons tous. Non, voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Ça est grande chose.
Donc, c'est même bagalan qui prolongeait depuis verset 16 là, qui a prolongé parce que yo vle que c'est yo même qui a fait travail que bon Dieu déjà choisi un monde pour faire. Jalousie, jalousie c'est grande chose, jalousie qui a fait perdre le ciel. Tout le monde sa yo donc qui était mort avant, yo pas de besoin. Yo pas ta mourir comme ça. Jalousie yo fait que yo vinn mourir, ça yo mourir. Et là encore, donc Moïse dit eh bien et où est patience Moïse tout? Moïse dit bon, OK, tout le monde vient porter vers genou, vini. Et puis donc monde que bon Dieu choisit, hein? Donc c'est monde ça que lui a choisi et comment ça fait? So vraiment vous porter vers genou et là que vous vini qui ça que ouais donc tu gain 12 verges donc chaque chef chaque tribu. Donc chaque poté verge selon nom tribu. Donc où est que qui est-ce que bon Dieu t'a choisi? Il t'a choisi tribu de Lévi. Aaron qui était dans tête tribu de Lévi. Alors Moïse dans le sens mais c'est Aaron qui était grand prêtre. Donc où est que il est vraiment important encore l'autre fois. Comme si nous pas j'aime c'est dit que pour nous respecter le bon Dieu choisi en monde. Même dans l'histoire David, c'est même bagaille. On voit que David était respecté en Saül en tant que roi parce que Saül était au loin de l'Éternel. Grand pile monde qui a dit oh, ils gardaient ça le fait. À cause de ça mon enfer ou réagit en façon. Non, faut faire attention dans façon à réagir. Faut faire un pile attention dans façon que va réagir à mon nan. Donc qui fait que des pour bon Dieu il était t'a choisi un monde pour faire travailler qui était c'est bon Dieu qui dit là avec mon nom si mon nom font bagarre d'ailleurs parole l'a dit à moi la vengeance à moi la rétribution donc qui fait que m'a connait si que nous gagnons rien nous voulait dire sur chapitre 17 là OK donc c'est pas gagnant rien n'a pas rentrer dans chapitre 18. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Faites aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'il te soit attaché et qu'il te serve. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ils te seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approcha de vous. Vous observez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis un don pour faire le service de la tente d'assignation. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qu'ils me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'option pour une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes les offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront.
Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous le mangerez dans un lieu très saint. Tout mâle en mangera. Vous les regardez comme saints. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre. Je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles, avec toi, par une loi perpétuelle, quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les brebis qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en l'huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé, les premiers produits de la terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal pur. Tu les feras racheter de l'âge d'un mois, après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes. Tu reprendras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Leur chair sera pour toi, comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre, et comme l'épaule droite. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi tout dîme en Israël pour le service qu'ils feront, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent de péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Amen. Amen. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes que l'Éternel, sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous
et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Qui ça que nous voyons dans le chapitre ça? Ok. Dans le chapitre ça, ça qui attire attention moi, c'est côté que t'es mal qui côté ou est que Lévite yo pas gagné yon pas même j'entends que toute tribu yo t'ai gagné possession et tout ça mais yo même yo pas gagné rien. Donc c'est bon Dieu lui-même qui t'a fait provision pour yo. C'est bon Dieu lui-même qui t'a fait ça que t'a gagné pour te faire pour yo. Donc et ouais comment que bon Dieu t'a fait provision pour yo? C'est tout dim yo qui t'est pour les vite yo. Donc nous même journée aujourd'hui les vite yo yo pas ka gen l'autre travail. Donc bagay tant que pour que gon pasteur ouais pasteur là li l'église en même temps la li gen l'autre travail que l'a fait li pas selon la Bible li pas selon la Bible parce que pasteur là si que l'a travail il pas gen temps pour faire ça que bon Dieu relé le faire il pas gen temps pour ça il pas gen temps pour la loi membre il pas gen temps pour l'étudiant ensemble avec eux il pas gen temps pour faire tout ça que il gen parce que il obligé à non l'autre travail donc c'est ça qui fait pasteur yo pasteur yo nous remettre dim yo là pour payer pasteur donc ouais depuis qui côté que bon Dieu t'ai et mettez l'ordre ça pour que pasteur yo ou bien Nathan Moïse Lévite yo Nathan Panouan Lévite yo c'est pasteur pour que pasteur yo capable yo même c'est bon Dieu qui a pu prendre soin yo et comment provision ça fait nous devons remettre dim yo c'est ça c'est une raison si nous pas remettre dim nous nous pas aider du tout comme nous pas aider travailler aller de l'avant du tout parce que là nous pas remettre dim nous capable attirer malédiction bon Dieu tomber sur nous si nous choisi pas remettre dim nous et nous choisi faire ça nous voulons ensemble avec lui faut nous remettre lui et nous pas gain pour nous dire bon m'a serrer la caille moi m'a prétendre venir gros et puis m'a remettre l'église non nous pas qu'à faire ça depuis n'importe ça qui rentre dans main nous nous gain dim pour nous remettre là-dedans on monde fait nous cadeau $50 mais dim nan dim a offrande doit retirer là-dedans nous al travail yo paye nous dim a offrande doit retirer là-dedans n'importe ça que lié en dim a offrande doit retirer là-dedans parce que c'est dans dim ça que Lévite qui a travaillé très dur pour salut des âmes donc yo doit yo mériter salaire yo tout donc qui fait que l'on pas remettre dim nan ou priver Lévite yo de un bagage que qui pour yo et là qu'on a la bénédiction que pour ta gain on pas gain et yon nan texte dans Bible là ouais que bon Dieu dit que nous volèl dans comment nous volèl dans dim avec offrande yo que nous pas remet parce que dim avec offrande yo pas pour nous yo pas pour nous et donc et non seulement que yo pas pour nous et non seulement que yo pas pour nous c'est pour bon Dieu que lié pour cet argent pour bon Dieu pour Lévite yo capable payer parce que yo même tout yo gain bill pour yo payer pour yo manger yo gain famille yo gain ceci pour yo prendre soin donc qui fait que ouais partie ça li vraiment important li vraiment pas comme si que nous même qui a écouté si que nous gain un bagage que nous t'a vle dit sur ça. Une bagay tout mwen wè ki attire attention, c'est là que ou commencé li nan verset 1, nou ka di jusqu'à verset 7. Nou wè une bagay tout que l'Éternel te une priorité le prêt yo tout. C'est que pou yo te assurer yo.
que aucun monde pas non sans te ka di pas faire un bagage pour yoter sale sentir là. Et si yo te quitte yon moun faire yon bagay ki non sans sale sentir, non seulement moun nan ta mouri, yo même tout yo te gen droit mouri. Yon nan exemple que nous même en tant que journée jodi an te gen, nou te gen droit di en tant que prêtre dans l'église, en tant que un pasteur, en tant que premier ancien ou sinon en tant que lévi dans l'église, job yon pasteur tout nan tan nou journée jodi a, c'est pour rassurer que aucun brebis qui en dans l'église là pas à scandaliser sanctuaire là. Et laisse arriver là un pasteur qui te fidèle yo a scandalisé en dans l'église là, scandalisé sanctuaire là. Pasteur ça gen droit pas mourir physiquement. Mais spirituellement de jour après même Jean fidèle là mourir spirituellement, pasteur ça tout lui-même li gen droit mourir spirituellement. C'est ça que fait moi quoi, me pas songer qui livre exactement mais gen un livre d'esprit de prophétie qui parlait de ça. Qui dit que gen des pasteurs qui a perdu avec toute l'église là. Parce que bon Dieu pour en tant qu'un pasteur metto comme berger ou c'est lévi dans l'église là, c'est prince là ou c'est prêtre là dans l'église là. Non ça c'est ou même qui pour guider tout pour moi. Mais des fois qui ça nous fait, qui ça pasteur nous quand fait des fois, yo juste qui était fidèle yo fait ça au plaît puis yo dit c'est pas eux même. Mais même Jean tout dans nombre 18 nous voit que Lévi ont gain pour des règlements de compte pour te rendre à l'Éternel dans ça qui a passé dans sanctuaire là. Et bien c'est même Jean tout que pasteur nous aujourd'hui qui pas fait volonté bon Dieu, qui pas fait ça bien pour faire qui quitter y a scandalisé sanctuaire là, et bien c'est même Jean tout pasteur ça autour yon les a privé yo gain pour des règlements de compte pour rendre à l'Éternel. Amen. Oui, c'est correct. Et Gemba et tout à coup, si que l'église pas nommé un monde dans département et puis moun nan pral camper pour laisser faire un bagay que l'église pas nommé pour le faire, qui veut dire bon Dieu pas choisi pour le faire. Donc là, donc ça son bagay pour que pasteur là lui-même faut parler de ça. Si gen un membre dans l'église qui pas remettre dîme à offrande, ça doit et mon a travail, si mon pas travail c'est autre chose, mais si mon a travail ça pas doit rester là. Pasteur doit parler ensemble avec mon, parce que trésorier doit bail rapport dit mais ça que lui ouais à membre exécutif yo, et kounya la ça vient tomber sur pasteur pour que lui capable connaître qui ça qui fait que mon ça li gain semaine, mois, année que le pas remettre dîme dans l'église là, parce que côté que ou apprend manger spirituel ou c'est là que ou doit apprendre mettre dîme. Alors si que manger spirituel il y a bail là, c'est manger, c'est bon manger, on pas parler de côté qu'a bail mauvais manger puis ou aller mettre dîme là non, parce que mon n'a pas fait travail qui en accord avec avec la parole. OK, m'bakon si nous gen l'autre bail nous capable di sous ça, si pas gen nous capable aller dans chapitre 19. La vache rouge, l'eau de purification. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant: parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache, sans défaut corporel et qui n'est point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera sept fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau,
Puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec 7 eaux le 3e jour et le 7e jour. Il sera pur. Mais il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort, et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël, comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Il est impur et son impureté est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Toute vase découverte sur laquelle il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. On prendra pour lui ce qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements ou un homme tué ou un mort ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel, comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements. Et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé. Et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Amen. Amen. Verset 21, côté nous parlons que moi highlight là. Il dit ce sera pour eux une loi perpétuelle. Nous pouvons imaginer que y a un monde qui mourit dans tente li, qui veut dire qui mourit la caille. Un monde qui mourit la caille. Longtemps c'est tente, yo te mette, chaque monde dans tente pa yo. Donc un monde qui mourit dans tente li, kon ya la, un monde al rentrer dans tente ça. Moun sa impur. Entre moun nan rentre nan tante lan, moun nan impur. Et kounya la, selon loi, donc yon bagay ke moun nan dwe fè, et puis pou le retan jusqu'au soir, pou le retan nan l'heure, pou ke li kapab vin pur lan. Kounya la, est-ce que nou ka comprendre que sanctuaire, ou bien nous t'a dit temple, l'église, on nous dit building papa, bon Dieu, sanctuaire, là, côté nous adorer papa, son côté qui saint, son côté qui pur. Donc, est-ce que nous sommes capables de comprendre, selon la loi perpétuelle, ça? Est-ce que nous sommes capables de comprendre qu'un monde qui mourit pas qu'à rentrer en dedans sanctuaire, là? Un monde qui mourit pas qu'à
entrer en dedans sanctuaire. Parce que si on mange ça, ou même on vient impur. Ou vient impur. Verset 14, il dit, voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Donc, on moun mouri la kaili, wal la kay moun sa, ou bien tout moun ki nan kay moun sa ki mouri, impur pendant 7 jours. Alors, nan ta ke loi. Donc, et là, nous gardons puis devant, où est que, bon Dieu, dit son loi perpétuelle. Ça, c'est ce qui doit attirer attention nous. Et nous devons connaître maintenant, nous devons connaître ça, l'esprit de prophétie dit sur lui. Bon, me posons une question. Tant que lui dit oui, si moun nan mouri nan tant li, et que yon moun ki ale sou mort sa, li impur pendant 7 jours. Sa, c'est clair, nous connaît que kadav la impur, quel que soit côté sa li touche vin impur. Se ki vle di que nous pas ta suppose pren yon moun ki mouri pou nat mene lan dan sanctuaire la, si nous fait ça, nous vin rendre sanctuaire la impur. Mais question ma pose kounya, an pou un exemple, ok. Yon pasteur, même le yon pa mene mort yon an dans l'église la. Mais yon pasteur qui par exemple allait dans yon funérailles côté que li allait dans yon pompe funèbre yo tap exposé moi li gardé fi ki mo ça li allait sous moi quand même est-ce que pasteur ça tout pas ta supposé impur pendant 7 jours par exemple pour un pasteur qui allait dans yon veille au vendredi côté que li fin garde fi ki mo dans ce qu'elle li bien installé. Est-ce que pasteur ça t'a supposé à monter sous chaîne un samedi pour la prêcher? Parce que selon la tout, il considérait impur pendant 7 jours parce qu'il était mon lial sous mort. OK. Ça c'est vraiment une belle question parce que on monde doit dire quand ça que bon en tant que nous vivons là, il y a pile bagage qui n'ont pas appliqué ou bien soit il y a un pile bagay qui mouri à la croix, il y a des gens qui sont capables de dire ça. Mais bagay qui mouri à la croix, il y a à voir avec le Messie qui te gen pour vini, Messie en vini, ba yo accompli. Donc, qui fait que la kounya, ça c'est une autre chose. Mais le nou gade nan tan nou, il y a un pile bagay le nape li yo, nou we que vraiment vrai, nou pa we, il y a un pile bagay qui perdu avec le temps. Même genre, te gen arrivé un moment sabbat est perdu avec le temps les noté vin arrivé en ouais c'est une raison qui fait que bon Dieu bon en aller dans temps Israël là ouais que avant depuis Adam et Ève commandement bon Dieu il était écrit dans cœur les hommes mais qu'on est allé que yo te vin dans esclavage en Égypte yo vin oublier commandement bon Dieu. Avec le temps, yo vin blye commandement bon Dieu. Bon Dieu oblige kounya la vin bay au commandement nan mon Sinaï. Donc li bay au commandement pour que yo capable wèl devant Dieu. Kounya vin arrivé nous continuer vin arrivé même nan temps 321 et puis descend ou est que gen pile bagay ki te vin perdu. C'est pas parce que parole là n'est pas là, parole là t'est toujours là parce que parole là pas qu'à changer, il pas qu'à disparaître, il pas qu'à il est toujours là, mais il vient des bagages qui perdu avec le temps. Même sabbat est arrivé vient perdu. C'est qui côté que kounya là tout ba pour le retrouver, sabbat vient pour commencer prêcher correctement vraiment. Et n'entend LNG ouais, oui c'est vérité, tu gagne quelques c'est 11 heures. Qui t'est venu approcher sur LNG ou qui parlait avec lui de sabbat, qui veut dire tes messages étaient toujours là, mais majorité monde t'est perdu message là, yo t'est perdu, bah yo t'est perdu. Donc avec le temps, il y a pile bagay qui perdu et à cause que li perdu qui vient pas pratiquer,
Donc gen kek bagay ke si ke nou apè nou apè gade tan ko nou wè se klèr si ke on pasteur tal chante funérailles la lakay moun nan ki mouri an se klèr li vin paret ke pasteur lan li pasteur lan li souye mais avec le temps loi sa ki yon loi perpétuelle li vin perdu ou pa pwè ke sa parle dans l'église et li pa fè parti de doctrine nous dans l'église alors les m'ap di dans l'église nous parler de l'église là l'église qui a prêché vérité présente mais l'église qui gagne toute vérité donc on nous dit l'église adventiste en général du 7e jour donc ça yo pas prêché donc ça yo c'est bagay qui avec le temps t'est vinn arrivé perdu donc est-ce que a bon point côté que bon Dieu pral faire nous songer tout ba ça yo et puis pour nous faire yo je ne sais pas mais c'est vérité ça c'était une loi perpétuelle donc ça m'a gardé pour moi qui ça l'esprit de prophétie dit sous lui témoin tu me fait un cher donc dans ça que moi t'a gardé ça l'esprit de prophétie tout à l'heure tu m'a les bac chapitre 19 m'a gardé verset 21 16 à 20 nous capables joindre chapitre 19 verset 16 à 20 nous capables joindre dans patriarche et prophète page 277 son va garder qui ça l'esprit de prophétie dit ce parti ça patriarche et prophète page 277 page 277 là c'est pour anglais donc faut me spécifier ça c'est pour anglais et verset dans chapitre 19 verset 9 à 22 nous capables aller dans dans Spiritual Gifts, volume 4A, et puis qu'on y a là, nous capables dans chapitre 10, 20, 34, 39, pardon, 39, chapitre 39 qui parlait sous Health, donc nous capables de lire pour nous voir qui ça que lui dit sous ça, tout parce que c'est lui qui mettait pour verser ça. Et puis, témoignage pour l'église volume 4 page 120 rivé 123 page 120 rivé 123 donc parler sur ça dans ce chapitre là nous capable joindre quelques ti information donc m'a répété encore c'est témoignage pour l'église volume 4 page 120 arrivé à 123 ça c'est pour anglais hein, oui et aussi en Spiritual Gifts, volume 4A, page 126, et Patriarche et Prophète, en page 260, page 277, et nous gagnons tout, témoignage pour les ministres et Gospel Worker, page 97. Donc, ça, c'est tout ça, que bon Dieu révélé à sœur nous Ellen G. White tout ça que lui montrer sous chapitre ça. Donc navalili le que nous gagnons petit temps pour que nous capable voir qui ça que bon Dieu révélé. Donc tout ça que la Bible mandé pour que nous faire, je crois que lui clair que nous doit faire. C'est ça que je pense. Je ne sais pas si bien l'autre. Je ne sais pas si bien répondre à la question là, c'est Frisline. Malgré pas vraiment une réponse, je plus voir à lui. Même penser que non. Non, parce que c'est un bagage, moi, suivre, moi, ouais, tout ça qui est dans la Bible qui écrit loi perpétuelle, non, en pile dans l'église, nous ne pouvons pas suivre. C'est bagay tan kou wa pou ki étrange parce que gen pile nan nou même adventiste du 7e jour qui pas observer qui pas faire offrande du soir qui pas faire offrande du matin qui pas faire offrande du soir tandis que c'est une loi perpétuelle liée nous wè tout ça qui écrit perpétuel yo nous wè que loi ça yo pour quelque soit raison hein? Yo juste passé en bon capet j'on dit à est-ce que un jour bon Dieu a rappeler nous que loi ça yo là toujours pas cloué sur la croix qui sait mais ça que on seul bagage qui que nous doit faire c'est que l'heure que bon Dieu ba nous yon lumière nous même peut-être pas nous doit appliquer
Non seulement nous devons appliquer, mais nous devons partager la loi tout qui peut qu'on Oui, nous devons pa, partager, mais premièrement, nous devons appliquer. Parce que bon Dieu a fait route à chaque petit lit. Par exemple, alors, ma pauvre parenthèse, et puis ma ferme le même côté en tout. Par exemple, marée tête. Si nous avons gardé, nous avons pris un peu de monde qui n'a pas lumière, ça. Il y a dans l'église, tête pas marée. En voile, peut-être pas voile, et puis il dit que cheveux te bail comme voile. Avant le péché, nous te gon façon, nous te dwe manger. Pas vrai? Mais après le péché, bon Dieu vient additionner sous ça que nous te gen pour nous manger, parce que là, quand nous vient péché, donc nous a besoin pour que nous manger plus bagay qui pour aider nous. Avant le péché, nous pas de rad sous nous et nous pas même connaît que nous tenu. Après le péché, Jésus obligé faire rad mettre sous nous. Nous même nous tapé c'est faire propre rad pas nous, mais Jésus t'est venu, il fait qui veut dire Jésus il concoud. En tout cas, il fait rad il mettre sous nous. Ça c'est après le péché. Avant le péché, cheveux nous c'était voile nous. Mais après le péché, la kounya nous oblige à une couverture à cause d'Anjo, à cause Marie, nous devons avoir une couverture. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, il y a un côté qui est vraiment important. Je dis toujours, pour me poser mon question sur ça, je dis toujours, qui ça que lui dit? Si une fille a fait prier, la prophétiser sans que lui pas voilé, que lui capable de couper les cheveux tout. S'il pas voilé que li couper cheveux tout, qui veut dire même quand on gagne cheveux faut voiler ou sous pas voilé ou mettre tout couper cheveux, et li dit son honte que lié son honte que lié si pour couper cheveux, qui veut dire pour faire à la garçon son honte. Et puis tout faire mes parenthèses là, donc mais par contre gagne pile monde qui l'église qui pas gagne vérité. Ça y a l'église tête yo nu et sou di yo yo di non c'est pas comme ça yo te connaît li c'est pas comme ça la bible dit ou bien ceci ses cheveux. Donc mais ou même qui gagne lumière là depuis ko wel ou comprend ni ou doit appliquer. So c'est même gens tout ça que nous fait client nous wel nous comprendre nous appliquer. Donc dans sanctuaire là mon qui mouri pour chanter funèbre li pa dwe entrer en dedans sanctuaire là. Et ou même tout donc qui touche mon qui impur là, donc ou capable comprendre que OK ou vin impur. Ou vin impur. Donc si pa gagne l'autre bagay qui pour dire sur ça, donc nous en parler dans chapitre 20. Chapitre 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré? Quand nos frères expirèrent devant l'Éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. » Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras en l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant lui, comme l'Éternel le lui avait ordonné.
Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Amen. Amen. Puis Moïse se leva. Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée vit et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Meriba, les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel et qui sanctifiaient en lui. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi de Don pour lui dire ainsi, parle ton frère Israël, tu sais tout. Les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, et nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu nos voix, notre voix. Il envoya un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traversons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas de l'eau des puits. Nous suivons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi le territoire. Et donc lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui disent, nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, je paierai le prix et je ne ferai que passer avec mes pieds par autre chose. Il répondit, tu ne passeras pas. Et donc sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux à main forte. Ainsi, Edon refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. Amen. Amen. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Meriba. Prends Aaron et son fils Éléazar, et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revertir à Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revertir à Éléazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura à Aaron pendant 30 jours. Amen. Ça t'est Dieu net. Et tant qu'il y a de la souli, souffle de vie en tenant lui-même. Quand il y a de la sortie, il mourit. Donc, alors, nous connaissons Aaron absolvé, mais on nous garde ça dans ton panneau. Est-ce que c'est pas même bagaille tant aussi que Rob Justice Christ là li sorti sous nous. Et là mort. Si sorti sous nous, si nous pas gain Rob ça, c'est là mort. Même côté. Donc qui fait que ça t'attire attention
Et puis l'autre bagaille qui était l'autre bagaille qui attire attention moi, c'est monter en haut pour moi qui sacrilité. OK, voilà. Moïse peuple toute chance que yo gagné pour que yo capable pour yo capable blâmer Moïse a yo utiliser yo fait tout temps blâmer pour qu'il les gens toujours plaignent murmurer etc. Et voilà que Marie mourit et c'est dans leur côté que peuple a plaigné pour de l'eau et puis Marie mourit. C'est il était dur pour Moïse, c'était sœur lui. Et il fait tout parcours ça avec sœur, tout parcours ça ensemble avec lui. Donc qu'on a voilà le mourir, Moïse était en deuil, il était triste quand même, son humain que lié, même genre nous même qui la nota en famille nous mourir. Il était triste, nota triste. Alors mandé Dieu pardon si nota en famille mourir, nota triste. Mais voilà que qu'on a là Moïse, peuple a soulevé contre Moïse et Aaron. Et puis, regardez qui ça qui peut faire Aaron mourir dans l'œil mourir. Malgré ce n'est pas même lui-même qui t'a fait bagarre. Le fait que lui pas dit rien. Parce que c'est Moïse qui t'a frappé au chien deux fois. Ce n'est pas Aaron qui t'a fait. Mais Aaron pas dit rien. Qu'on y a là les mêmes tous les péchés. Donc, qui fait que Moïse peuple, les peuples ça soulevé contre Moïse, c'est grande chose. Qu'on y a soulevé contre Moïse, Moïse a frappé Rocher, elle te doit parler à Rocher, a frappé Rocher deux fois. Donc, qu'on y a là de l'eau sorti, ou t'as dit de l'eau pas ta sorti, de l'eau sorti. Et qu'on y a bon Dieu pas content parce que lui dit ou fait peuple pas sanctifié. Donc là on pasteur dans l'église. Ouais bon Dieu dit fait bagaille de telle façon pasteur en disant bon Dieu change avec le temps. On mettre fait de on mettre fait comme ça. Bon Dieu pas jamais content pasteur. Et ou même qui connaît que pasteur là ancien ou bien en tête l'église dans dit fait un bagaille telle façon. Et bon Dieu lui même c'est pas comme ça il dit fait. Le fait qu'on rester à bouche fermée ou même tout ou prend pas dans iniquité. Hein. Donc il fait que nous pas arrêter à bouche nous fermer. Et c'est pas seul pasteur, c'est un frère, une sœur, un servant de bon Dieu ou bien un serviteur bon Dieu. Baillant c'est que les gens font bagaille ou gon façon pour parler ensemble avec lui. Ou gon façon pour approcher, pour faire loin. Si n'a pas exemple David, les David était péché avec Bathsheba. Comment Nathan c'est ton prophète que l'était. Nathan gagne contact direct à l'Éternel. Nathan te ka aller sous David n'importe façon qu'elle te vie. Mais Nathan pral utiliser sagesse, li pral utiliser yon façon côté que David pral wè que li péché peut-être pas. David Nathan parle à David yon façon qui aide la comprendre. Donc qui fait que ou parler avec mon nan, même le ou pas faire mal élevé pour rele sou mon nan. Ou parler ensemble avec mon nom façon pour que les capables comprennent ça que les faits n'est pas correct. Donc où est que bon Dieu pral dit comme ça puis devant laisse à fête bon Dieu pral dit comme ça que dépouiller Aaron de radlio alors un rad que lui mettait pour en tant que grand prêtre parce que nous connaît grand prêtre yo en façon que yo te habillé dépouillé Aaron de radli mettel sous petit li Eliezer kounya ki veut dire Eliezer lui-même li pral vinn grand prêtre nan place Aaron et côté que ou ka imaginer Moïse bon Dieu te ba Moïse force kounya li Marie fin mouri et peut-être nou ka imaginer que parents Moïse maman papa et peut-être l'autre famille qui était là yo alors la Bible papa les souli préfère pas dire rien mais nous connaît Marie mouri et kounya là mais voilà Aaron qui était là qui était partenaire Moïse tout miracle Aaron là tout ça qui a fait c'était Moïse avec Aaron mais kounya là il pas dépouiller Aaron de vêtements il pas aller
mette sou Eliéza et Aaron pral mouri. Moïse passe en pile. Et malgré tout ça que t'a passé, il pas de dit pas travail pour l'Éternel. C'est ça qui doit attirer attention aujourd'hui. Toute misère, peuple a plaigné, tête fait combien non moi m'pa connais si m'ta bien patience pour m'rété. Pour moi peuple a des plaigné, yo vle lapidem, yo vle ceci m'a travail pour l'Éternel. Et puis vinn jwenn encore garder tout bas en après pour m'rété là m'ta dit Seigneur m'pa capable pour l'autre monde mais Moïse li toujours là li te gen pile patience donc et c'est patience bon Dieu mande nous pour que nous capable nous-mêmes pour nous gen patience. Et dans Apocalypse chapitre 14 verset 12 dit tout c'est ici la persévérance des saints. Et persévérance, donc on l'autre mot que nous capable utiliser pour lui, c'est patience. C'est ici la patience des saints. Donc il fait petit bon Dieu, nous devons gen patience. Et pour ne pas jamais oublier, là nous prenons engagement, là nous que nous dit n'a font bagay, quitte l'en mort. Marie t'est mouri, mais Moïse obligé rester là. Aaron mouri, nous pral garder n'a pour Moïse obligé rester là. Et plus peuple veut lapider, Moïse obligé rester là. Tout ça qui fait, Moïse obligé rester là parce que l'œil peut corriver pour bon Dieu décharger de travail que l'été bal faire. C'est le bon Dieu qu'on a déchargé de travail là, ou capable dit qu'on a là bon ou bah mais tout autant que bon Dieu relo font travail et ou dit oui ou prend engagement pour faire li même quand la pluie a tombé, même quand gen tremblement de terre, depuis souffle de vie en an ou travail. Ça c'est gros cause. C'est gros cause. Donc m'pa konnen si nou gen rien nou ve di sou chapitre ça sinon. Yon bagay tout nou ka wè nan chapitre ça. Nou ka wè tout en tant que chrétien, faut nous toujours prudent, faut nous toujours ap veye, faut nous toujours ap priye. Parce que même jan que Satan ka itilize point faible nou pou li fè nou chuter, pou li fè nou tomber, li ka itilize point fort nou yo tout pou li fè nou tomber. Si nous pas vigilant tout temps, you not point fort Moïse, c'était patience li. Mais non moment de faiblesse ou ka di, Satan utilisait même point fort ça encore contre Moïse pour le faire Moïse tomber. Et bon côté tout ou ka di non sens que Moïse te vin non sens te vin gen yon te non brief et non moment bref li te gon orgueil ki empare l. Lè li di peuple la kon sa, écoutez donc rebelle. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Premièrement le fait que li prononce son jugement sou peuple la, rele le peuple la rebelle, ou vin ap mande tête ou question tout est-ce que nan moment sa que Moïse pa mette en place bon Dieu parce que li prononce un jugement sur peuple là dans sens que le rele peuple la rebelle et ou ka wè tout que nan moment ça Moïse blié que colère nous même en tant que humain c'est pas colère nous qui a accompli justice de l'Éternel que c'est l'Éternel j'en kandia qui kan a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution qui a pas accompli propre justice li. Et deuxième erreur tout ka wè que Moïse fait, bon Dieu te mandé pour lui parler avec rocher. Ça fait bon Dieu te mandé pour parler à rocher. Ou imaginons un monde qui campait devant roche qui dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth ou sinon au nom de l'Éternel, moi mandé pour l'eau sortir dans roche ça et puis où est que l'eau a sorti dans roche ça? Nan moment sa ki l'autre preuve on l'autre monde ka besoin de puissance de l'Éternel. Ça est ta pon gros preuve de puissance de l'Éternel parce qu'au cas où de temps en temps peuple a oublié ça l'Éternel t'a fait pour yo. Mais au lieu que Moïse lui-même dit t'ai parlé à Wash là
dans le nom de l'Éternel. Non seulement il adresse la peuple là, il déclare peuple là qu'ils sont peuple qui rebelle. Et puis Jean Moïse vient parler à Jean l'adresse la peuple là. C'est un coup que c'est pas propre puissance parle que l'Ibral fait de l'eau a sorti dans roche là. Ou kawen nan verset 12 là, il dit alors c'est ça que fait alors dans verset 12 là l'Éternel vient dit Moïse. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Et tant qu'on a un moment ça pour que Moïse te fait gloire non bon Dieu éclater. Moïse tout un moment ça, un moment de colère ça, un moment de faiblesse ça, l'oublier l'Éternel. L'ivine agit en humain, l'agit dans moment ça car c'est la chair qui t'a agi. C'est le moi qui t'a agi. C'est ça que fait frère yo, faut nous faire très attention. Nous gen droit connait nous gon point fort dans bagarre, nous gen droit dire ah point fort c'est prêcher. Point fort c'est évangéliser. Mais si tout temps nous pas reverti nous de la nous pas gain grâce Christ sous nous pas reverti nous de la grâce de Christ, eh bien même point fort ça même Jean Moïse Satan qu'a utilisé encore comme on âme contre nous-mêmes. Et ça moi dans passage ça gagné quelques ba ou dit donc moi côté que ou vini ensemble avec lui. Mais sou gade que Moïse pas de péché parce qu'il t'était les peuples rebelle. Et si que ça que il t'ai prononcé, il était en péché, bon Dieu t'a dit. Li péché parce qu'il t'ai frappé au rocher. Parce que en pile fois nous en tant que chrétiens, nous pas de juger mais si nous ouais on bagaille tout, nous capable dit que mais telle chose. Peuple t'est rebelle. Et des plusieurs fois côté que bon Dieu lui-même a dit comment que peuple a été courage. Il est courage et vraiment vrai à cause de rébellion. Il y a un pile bagarre arrivé dans chapitre que nous t'ai lu pour nous t'ai commencé en chapitre 16. Nous ouais vraiment vrai que guerre là-dedans qui était rebelle et toute expérience que Moïse fait ensemble avec yo. Les que yo ouais ba yo kounya yo vle pour yo vle côté Moïse pour dire que est-ce que c'est pas ou même seulement que bon Dieu est capable de parler? Est-ce que il va parler ensemble avec nous? Est-ce que c'est pas peuple que nous? Est-ce que nous pas ceci? Est-ce que nous pas cela? Donc tout ça yo te montre rébellion yo parce que bon Dieu te geta dire tout ça que yo te gain pour yo te fait comment pour yo te fait, il te geta choisi tout le monde. Mais yo même yo pas satisfait. Et au pral ouais côté que Moïse pral prier papa pour tuer yo. Et vraiment vrai papa pour le tuer yo à cause de ça que tu as fait. Donc qui fait que me songe nous t'a fait leçon ça, il y a monde qui t'a dit quelque chose sur ça. Mais par contre, tant aussi que ou un monde, il a fait un bagarre ou pas pour juger monde dans le sens ou condamner lui. Ou pas pour condamner monde, mais par contre peuple t'es rebelle. Et gens qui a murmuré parce que pas ta murmuré en pour y aller côté bon Dieu pour dire Seigneur t'en prie ba nous de l'eau, c'est murmuré, yo t'a murmuré contre bon Dieu. Donc c'est jaloux pour bon Dieu, c'est en jalousie pour bon Dieu, amour pour bon Dieu fait que Moïse gardez tout ça que bon Dieu fait pour nous, gardez toutes gens que il a agi pour nous. Et puis journée jeudi comment que nous même n'a agi peuple rebelle et colère li kounya la colère li lèl que li pral les frapper rocher et parler à rocher montrer puissance bon Dieu mais frapper rocher montrer puissance bon Dieu tout qui rocher monde capable pral frapper et puis kounya pou de l'eau saute la dedans tous les deux montrer puissance tout mais... tous les deux montrer puissance bon Dieu mais par contre bon Dieu pas dit Moïse frapper rocher. Il dit Moïse parler à rocher. Moïse désobéit. Là il péché. Mais non sens tout. Frapper rocher à non sens où qu'a dit que Moïse pas
bay bon Dieu gloa nan aksyon sa, se paske nan verset 10 la men, Moïse lèl finre le pep la rebel, li mande pep la, es de se roche ke nou feron sortir de l'eau, de ki nou l tap pale. Nou sa l pa tap pale de l'Éternel de nou sa. Ke nou feron sortir de nou sa l tap pale de li men avèk Araon. Nan sou li verset 10 la, pa gen anken kote ke Moïse non sens glorifye nan bon Dieu la di tout. Nan moman sa non seulement li ou ka wè ke kolè a anparel, me li vi non instant agi par la chair. Paske l te gen dwa di, es de se roche ke l'Éternel tap fè soti de l'eau. Me li di ke nou. Est-ce qu'on assemble tout là? Nous ça pas glorifier l'Éternel du tout. Exactement. Donc, li pas glorifier l'Éternel dans façon que li getan parce que là qu'on getan ouais colère li getan prend contrôle et colère là qui prend contrôle là vient fait que li non seulement réagit non façon pas ta doit réagir. Donc, rocher que t'es frappé qui ça t'est symbolisé. Jésus te gen pour venir pour te mourir. Jésus pas gen pour te venir mourir deux fois, il te gen pour te venir mourir une seule fois. Et parti ça c'est comme son message ou bien c'est tant qu'on t'a dit c'est en vérité que Moïse te venir oublier parce que Moïse son prophète. Il te connaît gon Messie qui te gen pour venir. Abraham te connaît gon Messie qui te gen pour venir. Joseph te connaît gon Messie qui pour venir. C'est pas Moïse qui pas ta connaît gon Messie qui te gen pour venir. Donc il te connaît message là. Il te connaît Messie en te gen pour venir. Et tout bagay ki te gen pou te fèt. Mais voilà que nan moment li bliye tout ça, li fâché, la frappé Rocher représente Jésus, frappé a représente que Jésus te gen pou briser. Donc la fait deux fois parce que te gen pou li te frappé Rocher première fois. Kounya la kounya vin frappé Rocher dit pou parler à Rocher. Donc là li désobéi parce que bon Dieu te clairement dit faire un bagay que li pa fè. Donc qui fait que nous-mêmes tout là où bon Dieu dit nous faisons bagaille. Ou gè doit wè nous dit hein OK. On t'ai fait rêve ou bien bon Dieu t'ai montré ou bien la parole dit pour me faire tel bagaille mais on pensait que même l'homme fait comme ça, pas faire comme ça, donc c'est même résultat, donc pas un problème. Non, depuis où bon Dieu t'ai dit faire comme ça. C'est faire comme ça. Tant que par exemple, ou gè doit dire j'ai bon Dieu dit marcher saute ici aller qui côté m'a dit marcher saute la caillou à l'église. C'est juste un exemple. Marcher saute la caillou à l'église. Quand on dit oh, gardez l'heure si marcher saute la caillou moi à l'église, m'ka vraiment presque en retard ou bien de temps pour m'arriver, m'a touche tout bouquet pour m'aller monter cher ou bien tel bagage. T'aime que t'en prend machine là pour m'aller parce que avec machine là m'a gétan arriver bonheur. M'a getan en fait tel bagaille pour bon Dieu, m'a getan fait tel bagaille, m'a getan préparé tel bagaille. Pour nous prendre machine ou aller au péché. Et bon Dieu va dou prendre machine, il doit marcher aller. Alors c'est juste un exemple utilisé. Donc il fait que l'or bon Dieu dit fait tel bagaille, c'est fait lui. Même le mon a plein parce que ou t'a dit bon Dieu t'a comprendre. Moïse gen seul qui fait mourir. C'est un fait moi qui veut dire li gon tristesse et yon nan ba pou nou comprendre li gon tristesse li gon stress sou li parce que seul fait mouri et non seulement ça tout peuple en même a murmuré contre li même yo depuis ou peuple en tombé murmuré lapide yo envie lapide Moïse avec Aaron donc on y a là voilà que stress ça les peuple a murmuré Moïse a frappé au cher. Ou t'a dit, bon Dieu t'a dit, oh non, tel bas. Moïse manque perdu salut éternel li à cause de ça. S'il pas de demander pardon, il t'a perdu. Et nous comprenons tout que Aaron m'a demandé pardon, qui fait que nous connaissons que la Bible pas montré que Aaron a perdu. L'esprit de prophétie pas montré que Aaron a perdu. Donc Aaron a sauvé. Donc c'est parce que Aaron m'a demandé pardon. Mais par contre, Aaron pas entré dans la terre promise, non? Il mourit. Bon Dieu dépouille elle de radli pour péché que li fait malgré pardon te mandé quand même parce que l'a sauvé donc mais bon Dieu dépouille elle de radli gè de péché que nous fait oui bon Dieu gè toi toujours servir ensemble avec nous
mais position que nous te gagnons, nous te position que nous te gagnons, bon Dieu dépouille nous de position. Guerre de péché en tant qu'adventiste du septième jour. Ou qu'on est guerre de bagay que nous fait. Nous pas qu'à ouais baptiser encore. Mais au fin radier nous. Le, si on monde fait un bagay, guerre de péché moun nan fait. Léo l'église radier moun sa pas qu'à ouais baptiser encore, li dépouiller de radli. Oui bon Dieu a fait route ensemble avec moun nan. Bon Dieu a fait route avec moun nan, moun a sauvé depuis que li kite bon Dieu fait route avec li, mais il pas qu'à ouais baptiser encore. En fait, il était saisi, il était apprendre ça pour de vérité. Bon, me pose une question sur analyse de cette faire. Non sens, est-ce que vous t'es dit que Moïse était venu vivre côté, il était non sens, c'était gagner une perte de confiance. Parce que tant coup exemple pour ça prend ou dit tant coup on prend exemple, on va l'église m'a privé, OK. Bon Dieu dit marcher pour mal l'église là. Moi même qui gâte l'heure et puis me dit comme ça ah moi le am gen ça me pral faire l'église si marcher m'a privé en retard bon prend machine moi me conduire mais si me fait ça est-ce que c'est pas parce que moi pas vinn perdu que moi non sens moi vinn pas gon confiance que même les marcher à même l'église là privé a approuvé a commencé à 9h30 OK me garder moi 9h20 et puis bon Dieu dit marcher à l'église là et puis me dit moi me prend machine moi plutôt est-ce que non sens c'est pas parce que moi gon manque de confiance non sens m pa kwè que bon Dieu ka fè m rive l'église là avant 9h30 hein même là ki marché bon yon nan bagay que moi mè ensemble avec bon Dieu li gade cœur li wè intention li wè intention ça fait guerre de monde m gon exemple mais m pressé après vous m ta bon exemple ça pour de vérité Gè de moun li gè doit fè yon bagay yon fason et puis l'autre l'en fait on l'autre fason et puis kounya la ou est bon Dieu a accepté tous les deux façons yo ou bien pas accepté tous les deux façons yo ça pral vinn dépend de cœur nous gens que nous comprenne tant que bon Dieu mandé pour marcher sort la kay wa l'église ou prend machine ou aller OK qui ça qui t'est fort faire ça malgré ces deux obéissances il toujours péché parce qu'on pas doit ou pas doit prendre machine. Est-ce que ouais que bon, m'pa croire bon Dieu capable en bam yon façon pour m'river l'église là à l'heure. Donc t'aime aider bon Dieu. Yon seul bagay, nous pas prêter trop sou li, désobéissance c'est désobéissance. Point bas. Ou désobéir ou privé de la gloire de Dieu. C'est aller bien vite au pied de la croix que Moïse t'a fait. Donc Moïse lui-même c'est Moïse lui-même il était agi genre que il était agiant et bon Dieu t'a puni. Bon Dieu t'a puni lui, il joint une punition. Il pas entré dans terre promise là. Il wel mais il pas rentré. Mais regardez encore qu'on y a là qui ça pas arrivé Moïse dans ciel là. Il sauvé Moïse dans ciel là. Il toujours vivant. Il dans ciel là. Donc qui fait que Moïse lui-même dans l'heure que ça t'est arrivé, pas oublier, nous dit encore seul il mouri li stressé peuple a pé murmuré yo vle de l'eau yo ceci li vinn fâché et nan un petit temps de colère li fait un bagage que li pa te dwe faire c'est pas ton bagage qui t'est prémédité mais c'est nan un temps de colère alors nous pas prêter trop pour arriver pour nous terminer donc qui fait que nous pas pral analyser est-ce que telle chose parce que oui nous gè doit dire en pile bay nous gè doit dire non moment Moïse pas té croire nan puissance bon Dieu nous capable dire ça qui fait que il y aller il frapper grand pile bay que nous capable dire mais tout ça que l'esprit de prophétie pas dit nous pas dit tout ça la Bible pas dit nous pas dit donc n'a simplement quitté selon la loi et le témoignage et puis toute l'autre bagay tout que nous armes connaît là nous rivons dans ciel là bon là nous rivons dans ciel là nous commandons Moïse là nous rivons dans ciel là nous commandons Jésus et vient à une réponse en pile causé donc n'a pas arrêté là pour que nous pas aller trop long trop tard donc nous pas aller prier
pour que nous soyons capables de terminer avec le programme nous ensemble. Éternel roi des rois, créateur ciel et terre, nous disons merci papa de ce que permet que nous soyons capables de lire l'histoire ça. Il y a un pile bagage qui montre que papa pas rien qui dit sauver net. Parce que si que nous faisons péché, si nous connaissons ça pour nous faire, nous pas fait, nous désobéissons, il n'est pas bon pour nous. Là, nous prenons engagement, c'est pour nous kembel. Lorsque nous faisons un bagage, c'est pour nous faire. Même le temps de stress, même le temps de problème, même le temps de péripétie, c'est rester intègre. Même Jean Job te rete intègre, même le qu'il te perdu petit, li tout ça qu'il te possédé, li te rete intègre. Même Jean Moïse lui-même, il était gain en seul qui était mort, peuple a murmuré contre lui, monté vle pour le rester intègre. Donc même Jean nous-même tout. Des fois, Seigneur, dans situation que nous trouvons nous, soit un monde mal parlé ensemble avec nous, un monde mal agi ensemble avec nous, un monde garder nous mal, on bagaille quelconque pour faire que la chair prend le dessus et puis pour faire nous réagir d'une façon qui pas correcte. Seigneur, nous demandons pardon. Si toutefois ta wayon nan nous t'agis d'une façon qui déshonore. Parce que ou remet nous tout qui là. Jésus passe en pile pour nous tout qui là. Il fait en pile sacrifice pour nous tout qui là. Nous pas voulons perdre le ciel. Nous pas voulons faire corps fâché. Nous pas voulons faire ça qui pas selon volonté. Seigneur éternel, papa nous qui est dans le ciel, prends contrôle nous. Pas quitter la chair, prends contrôle. Pas quitter nous vivre selon la chair, mais aidez-nous pour nous vivre selon l'esprit. Lorsque nous choisissons baptiser, c'est parce que nous choisissons pour que la chair mourit même. Lorsque nous sortons dans l'eau, pour que c'est Christ qui a vivre dans nous. C'est ça, Seigneur, que nous voulons. Nous pas voulons pour nous vivre selon nous-mêmes, parce que nous vivons selon nous-mêmes. Nous faisons des choses selon nous-mêmes, non pas glorifier du tout. Et nous voyons ça dans verset ça. Côté Moïse lui-même, il t'a choisi faire un bagage selon lui-même et non pas de glorifier. Ou t'es balion ordre, il pas exécuter l'ordre là, Jean que ou t'es dit l'exécuter. Malgré nan désobéissance là, malgré que travail là t'es fait et t'es gain succès là dans si nous garder parce que c'est de l'eau peuple t'es besoin, parler à rocher, de l'eau t'a sorti, frapper rocher, de l'eau sorti, mais par contre Moïse t'es péché. Donc gagne pile bagage que nous gagne doit faire et travail en gagne doit gagne succès li capable yon source de bénédiction pour l'autre mais nous même par contre si nous pas faire la façon commandé nous faire là donc nous capable arriver en péché nous désobéir et nous péché donc c'est ça qui fait n'a mandonne à moins fini tant prie pas quitter nous river jusque là aidez-nous pour nous faire volonté aux gens commandé nous pardonnez-nous purifiez-nous ba nous de penser esprit saint gagne pile là nous qui pas dormir kounya n'a mandé pour capable aider nous pour que nous capable dormir nous et puis pour nous sentir nous bien reposer ba nous force et nous lever pour que nous capable sentir une différence dans nous prend contrôle toute bagaille prend contrôle tout moment de prière qui gain pour faire tout programme que on gain pour mettre sous pied gain prend contrôle au Seigneur aider nous tout pour que nous capable faire ça ou dit nous faire pour nous faire volonté selon Jean Corvin. Nous pas prions papa parce que nous bonnes nous dit mais nous prions dans précieux nom Jésus-Christ sauveur nous. À lui même gloire honneur louange exaltation pour toute l'éternité. Amen. C'est là que nous restons ensemble avec programme nous à soir. Que bon Dieu capable bénir nous frères et sœurs. Bonne nuit avec Jésus. Bye bye. Bonne nuit à tous. Bye bye.